grâce à Canigou, Marco et Piper ont remonté ce qui semblait être la piste de Kellogg jusqu'à Fort Hagen. Kellogg et Shawnee sont-ils? Découvrons-le ensemble. Bonsoir et bienvenue pour ce 7ème épisode des Let's Play de Marcoloscopy. Allons-y. Pose-toi, Piper. Ces bruits de moteur, Piper. Ça, c'est des tourelles. Les capteurs indiquent une forme de vie organique dissimulée. La sensibilité. Essayez-vous de me tendre une embuscade est réglée. C'était une erreur. Aucun ennemi détecté. Non. Les capteurs doivent être trop sensibles. Ils sont nombreux, les cons. Je détecte une activité furtive. Pourquoi? Cachez-vous. C'est votre existence qui est un souci. Bah, voyons voir. Jones. C'est bon. Bingo. Hop là. Ça va les distraire. Activation. Protecteur au rapport. Ouf. Il y a du monde. Planque-toi, Piper. Planque-toi. Oui, tout à fait, protéger les serveurs, fais ton boulot. Aïe, aïe, aïe. Ça pique. Je sais pas s'ils savaient à qui ils avaient affaire, mais maintenant ils le savent. Ou plus. Peut-être plus en fait. Tiens, ça va être utile. Non, 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 rends-moi ça. Voilà. Est-ce que t'as dit, tu sais. Profitez de me soigner un petit peu. Alors. Y'a quoi là? Des explosifs. Oh. Si ça fait boum, c'est bien. Ah! Si vous venez habiter chez moi, pas la peine que je vous fasse un double. C'est une proposition. Putain, parce que je te le dis, c'est tout de suite niet. Hein. Tu parles trop. Comment voulez-vous? Ah! Trop de trucs. C'est quoi cet endroit? C'est Takashi's Castle, c'est ça? Et on m'a rien dit? Y'a des caméras? Je veux une parle sur les revues, sur les revenus de l'Audimat. Je vous préviens. Sinon, je vous connais un procès au cul. Là, d'un chien. Voilà, comme ça. C'est déjà mieux. C'est mieux passé que prévu? Ouais, parle pour toi. Moi, j'ai pris cher. Qu'est-ce donc? Rien essayé. Ah bah voilà, c'était ça. Tu sais que tout ça, bah qu'est-ce que je t'en dise moi? Qu'est-ce que je te dise? J'en sais rien moi de ce que c'est. Génial. Moi j'appelle ça une valise. Et ça j'appelle ça une porte fermée. Je dois mourir, bon. Désolé, ça fait pas partie de mes plans tout de suite. Il va falloir revoir votre plan. Parce que c'est juste pas possible là. Ça va pas le faire entre nous sinon. Ça va pas le faire du tout. Bon, pose-toi de la Piper, tu me gênes. Pose-toi. Pose. Ah,
Rien d'intéressant par ici. Voilà. Ça, c'est cool. C'est bon. Intéressant. Ouais, non. Prendrait trop de place. Et désolé, je me vois dans l'obligation de ne pas pouvoir accéder à votre requête. Non. Qu'est-ce que c'est tout ça? Oh, il y a marqué explosif. Ça va être sympa. Enfin, si j'arrive à l'ouvrir. Allez. Allez. Voilà. Joli. Parfait. Ouf. Reste pas là-dedans, Piper. T'es bête, c'est pas possible. Alors, maintenant, faut aller par où? Non, ça, c'est de là d'où on vient. Pareil, me semble. Oui, c'est pareil, c'est ça. Donc, ça doit pas être par là. Nanana. Ah, par là peut-être. Ah, l'escalier, je suis bête. On n'est pas encore monté. Yep. Une tour derrière moi. Je parie qu'il y a du monde. Eh, on dirait que je me suis pas planté. D'accord, le bois est blindé maintenant. Bon bah c'est nouveau ça. C'est dommage de gâcher ça. Oui, tout à fait, ce serait très dommage. Programme de combat. Mais... Protocole de combat rapproché activé. Tu m'auras donné une bonne leçon. Le protocole de combat rapproché, t'as échoué. Idem pour toi. Tiens, Piper, si tu prenais une de leurs armes, hein, ça pourrait être utile. Tiens, prends celui-là d'ailleurs. Avec quelques munitions, ça fonctionne à quoi ces trucs-là? Mais c'est lui la microfusion. Tiens, faites-moi signe. Cadeau. Pas passer par là. Et t'es folle! Bon bah écoute, continue à distraire la bestiasse. Hein. Je vais essayer de faire le tour. Voilà. Alors ça, c'est intéressant comme truc. Il y en a plein ici, c'est pas possible, c'est une vraie banque! Ouais, c'est à peu près aussi bien fermé que dans une banque, en fait. Ouais. Tac. Voilà. Parfait. Parfaitissime. Ah. Est-ce qu'il reste du monde? Première vue, non. On dirait pas. Ah. Où est-ce qu'il est, Kellogg, encore? Où est-ce qu'il faut aller? Comment il faut y aller? Pas clair tout ça. On a nettoyé cet endroit. On n'a rien trouvé. Par des synthétiques. Plein de synthétiques. Maintenant c'est certain, l'institut est là-dedans. Bon, et que dit la carte? La carte elle dit rien. Pour changer. J'ai pas fouillé ça, tiens. Intéressant. Y'a rien. Pousse-toi, Piper. C'est pas possible, ça. Où est-ce que c'est? C'est pas possible, il est forcément là. Kanigo nous a mené droit ici. Avec s'il nous y a mené tout droit, c'est que l'autre, il est forcément encore là.
clé anglaise. Il faut que je fasse une clé anglaise. Non. Et ça y est. C'est pas là, c'est pas là, c'est pas ça. Allez, mais c'est pas vrai. Non, on va pas ressortir, on vient de rentrer. Ça doit être forcément en bas, je crois que ça. C'est forcément en bas, obligatoire. Forcément en bas. C'est bloqué de l'autre côté. Bon, ça doit être derrière ça. Donc il faut faire le tour. Donc il doit y avoir un moyen de redescendre à partir de l'étage supérieur. Ça doit être ça. Par ici peut-être. Là il y a de quoi monter à la rigueur, mais pas de quoi descendre. Par ici. Non, non, non plus. Rien du tout. Ça m'énerve. Où est-ce que c'est? Ah, ça doit être ça. C'est quoi ça? Est-ce qu'il y a un terminal? Bingo! Alors. Là. Non plus. Objectus. Non. Est-ce que... Non. Non plus. Sense expect... Non plus. Génial. Ouais. Bingo! Je suis le meilleur. Parfait. Mais sérieux, mais ce problème, vous êtes des parano de première. Ça y est. Voilà. Allez, hop. Vous êtes par là. Ok. Piper, eh bien. Non, faut que tu rentres, ma fille. Par ici. C'est d'accord. Aux enfers, oui. Les capteurs détectent une présence. Ah, effectivement. Oulala, 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 oulala. Va y va. Fonctionne à 100%, mais c'est déjà ça. Je sais que vous êtes toujours là. Oh, bien essayé. Loupé. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là? Rien du tout. Hop, hop, hop. Exactement. Sauf que c'est bon, je les ai tués, tes ennemis, t'inquiète pas. Y'a plus d'ennuis. Tiens, tiens. Une vieille connaissance. Alors, on est enfin sorti du congélateur. Sans vouloir vous vexer, la date de péremption est dépassée depuis. Arrête de te foutre de ma gueule et descends, espèce de lâche. Viens ici. Ouh, il a piégé l'endroit, le petit salaud. Espèce de vicelard, va. Ça peut être utile.
Et ça a pris. Ouais. Voilà, c'est bien. Ok. Eh ben, c'était pas loin. Alors ah. Bon, où ils sont partis? Ah, ils sont derrière. Hop là. Piper, t'es conne, c'est pas possible. Tu le fais exprès. Après une sieste de 200 heures, vous avez dû avoir un choc en voyant l'état de... Mais on n'a pas de place pour vous ici. Désolé. Me fous que t'aies de la place ou pas. Rends-moi mon fils. Comme quoi, t'es pas doué pour les prévisions. C'est comme tes synthétiques et le combat. Y a quelque chose là. Ils sont du genre pas doués. C'était quoi ça? C'était vous? Non, c'était pas moi. C'était pas moi. Ok, vous êtes en colère, je peux comprendre. Mais ce que vous essayez de faire là, ça ne marchera pas. Et j'essaie de faire quoi, à ton avis? Triple buse à tête de fouine? Hein? J'essaie de faire quoi? Mis à part de te buter. Parce que ça, je suis désolé, mais je pense que j'ai mes chances. Si t'es aussi doué avec un flingue que t'es synthétique, effectivement, il y a que les mamans congelées qui peuvent te résister. C'est bon. Espèce de lâche. Ça, ça peut servir. Non. Où ils sont passés? Ok. Ils sont partis? Pas s'ils sont partis, mais... Je sais que vous êtes là. Plus personne. Il y en a partout, c'est pas possible. Ça commence à faire mal tout ça. J'aurais préféré qu'on n'en arrive pas là. Merde, espèce de padouille, va. Faut que je fasse tout, hein, c'est ça. Prochaine fois qu'on passe à Diamond City, toi, tu jartes. Valentine, au moins, il est doué avec ses armes. Et accessoirement, lui, il sait pirater un terminal. Espèce de pipelette inutile. Rien du tout. Prenu en perspective. Oh, mais ça, c'est sympa. Appelez lumière. T'es dans le noir, Kellogg. Enfin, en partie. Tiens, petite mule, s'il te plaît. Où aide-moi. Bien sûr, jetez un œil. Alors, ta-ta-ta. Tiens, tu vas prendre la chapka, les lunettes de soleil. Les mines. Ah là, t'es gentil. Non, c'est bon. Ça, ça peut servir. Ça aussi. Ça va m'être utile. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Ah, bah voilà. Et voilà. Mais qu'est-ce donc là? Qu'est-ce donc que cela? Une poupée de plus pour ma collection. Curieux. Tiens.
engage le combat. Je vais tous vous envoyer, Alex. Je me demande si tous les journalistes font ça. Je ne sais pas si tous les journalistes font ça, ma chère. Ce que je sais en tout cas, c'est que tous les journalistes parlent trop. Yeah. Bon, c'est par où? Ce lâche est encore plus loin. Peut-être par là. Ouais. Vous avez du cran, c'est vrai. Vous lâchez pas le morceau. Mais vous savez pas dans quoi vous avez mis les pieds. Pour être parfaitement exact, ma boule, je me fiche de savoir dans quoi j'ai mis les pieds du moment que je récupère mon fils. Et c'est pas tes synthétiques qui m'arrêteront. Que ce soit clair. Est-ce que c'est de la peur que j'entends dans ta voix ou bien... Voilà. Tant que tes synthétiques sont morts, t'as les jetons. Merde, c'est qu'on a pris partout ce con. On a foutu partout cette andouille. Joli. Ok. Vous vous gênez pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. On bouge plus. Et par là. Tiens, Piper, j'ai trouvé du savon pour toi. Hey. Merci beaucoup. Par. Est-ce que c'est par là? Je sais pas, peut-être. Génial. Bon, vous avez réussi. Je suis là à deux pas. J'ordonne à mes synthétiques de baisser les armes. On va causer. Parce que tu t'imagines que je vais te croire? Où est mon fils? Où est Sean? Je ne suis qu'une marionnette, l'ami, comme vous. C'est juste que je joue une division au-dessus. Ta gueule, le quarterback. Sean est un brave petit. Juste un peu plus vieux que dans vos souvenirs, peut-être. Il ira loin. D'ailleurs, il est déjà loin d'ici. Et comment ça? Avec ceux qui tirent les ficelles. Allez vous faire foutre, Kellogg. Laissez-le vivre sa vie. Vous avez fait votre temps. Votre fils a trouvé sa place. Où il ça? Il est dans sa nouvelle famille, à l'Institut. Mais comment ça? L'Institut. Où qu'il soit, je le retrouverai. Rien ne pourra m'arrêter. Bon sang, vous lâchez jamais l'affaire. C'est beau. Vous êtes un bon père de famille. Je ferai sûrement pareil à votre place. Même si c'est sans espoir. Mais assez parlé, on sait tous les deux comment ça va finir. Alors... passe aux choses sérieuses. Vous allez souffrir. Ça pique. Montre-toi, saleté de synthétique. Même pas mal. Tous ces implants. Il était à peine humain. Chien ? Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Bon. Un otoscope. Qu'est-ce que c'est que ce truc ?
cassé. Caméscope ? Il filmait des réunions de famille ou quoi ? Ouais. Ah, cool. Appareil photo. Voyons voir ça. Oh mon dieu, que c'est moche. Sean, le garçon livré à l'institut, paiement reçu, nouveaux ordres. Rien du tout, rien de rien. C'est où l'institut? Et c'est quoi, bordel? Et pourquoi est-ce qu'ils veulent mon fils? Pourquoi est-ce qu'ils l'ont? Qu'est-ce qu'ils veulent lui faire? S'il y a quelque chose à découvrir ici, on le trouvera. Bon, je vais faire comme si je n'avais rien entendu. Ça doit être par là, la sortie. Allez, ramène-toi. Et en vitesse. Montez. On sent où est-ce qu'il est, Sean. Où est-ce qu'il est? C'est où l'institut? T'as pas une idée, toi? Qui est coincé dans le mur de l'ascenseur. Ça va? T'es confortable? Accès au toit. Bon, d'accord. Allez voir ça. Voilà. Nom d'un chien, mais qu'est-ce que c'est que ça? Piper. Habitant du Commonwealth. Merci de ne pas perturber nos opérations. Qu'est-ce que c'est que ça, Sirk? Nos intentions sont pacifiques. Ouais, dites-vous, du haut de votre zep là. Armé jusqu'aux dents. Nous sommes la confrérie de l'acier. What? C'est les renforts de Dance ou quoi? Ah bah là, il va être content, hein. Il va être content, il est plus tout seul. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? What the fuck? C'est quoi, ce merdier? C'est quoi, tous ces vertiptères, là? Ils débarquent d'où, ces mecs-là? Moi, j'aime pas ça, Piper. Bah nous on reste planqué, hein. Et on va espérer qu'ils viennent pas foutre la merde. Quel épisode. Forragen est vidé, Kellogg est mort, mais Sean n'est pas là. Qu'a donc voulu dire Kellogg par un peu plus vieux que dans vos souvenirs? Et que se passe-t-il avec la confrérie de l'acier? Vous le découvrirez dans l'épisode 8 des aventures de Marcoloscopie.